Yo l'équipe, c'est votre bison, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et si toi t'as la forme, moi je t'avoue que j'ai pas tellement la forme. Je sais pas si ça se voit à mon visage ou à ma voix. Mais je vais t'avouer que c'était pas du tout prévu que je prenne la caméra aujourd'hui. En fait, on est seulement samedi et là tu vois la vidéo le mercredi. Donc tu vois, il y a un grand laps de temps. Normalement, j'essaie de tourner vraiment mes vidéos en mode le lundi, voire le mardi. Comme ça, c'est au plus proche du jour où tu vois la vidéo. Mais sachant que sur ma chaîne, je te partage tout ce qui se passe un peu dans ma vie, que ça soit professionnellement, que ça soit physiquement, que ça soit mentalement. Bref, et bah hier, on était vendredi soir du coup et j'ai bu de l'alcool, j'ai rebu de l'alcool et ça faisait environ 5 mois que je n'avais pas bu d'alcool. Alors comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, c'est important de se faire plaisir, surtout quand t'es avec tes potes et tout, surtout que je prépare pas de compétition, ma sèche est terminée, donc mon shooting photo était terminé, et surtout que je vous avais jamais caché que des fois je buvais de l'alcool et ça m'empêchait pas d'avoir un assez bon physique. Et donc vu que je trouve ça super important de ne pas être hypocrite avec vous et pas prendre la caméra quand je suis toujours sous ma meilleure forme, toujours en pleine forme, en mode tout le temps avec des bonnes perfs et tout, je me suis dit en vrai ça peut être intéressant sachant que je suis assez fatigué, je me suis couché à 4h, je me suis levé du coup à 11h. Bon, vous voyez que des fois moi aussi je ne suis pas parfait à me coucher à 22h, à me lever à 5h30, c'est pour vous montrer un peu que voilà, je ne suis pas un super-héros et que je suis un humain comme vous. Et donc c'est totalement normal de faire des fois des, on va dire, des écarts alors que c'est normal, enfin voilà. Donc j'ai très peu de sommeil, je suis fatigué et tu vois j'aurais pu skip, sauf que non, j'ai une séance à faire, donc j'ai du squat. En plus les gars, j'ai du squat en lourd, je dois faire une fois deux reps à 140 kilos, donc ça les gars ça va être chaud. Ça fait un moment que j'ai pas chargé une barre aussi lourde on va dire, donc je vais vous filmer ça, on va voir comment ça va se passer. J'ai envie de voir un peu comment avec la fatigue, comment mon corps va réagir. Bref, de toute façon je vais faire le taf même avec la fatigue. On entend à ma voix que je suis fatigué. Je me suis pris une petite Monster les gars, zéro sucre, pour avoir un petit peu d'énergie, un petit peu de caféine. Mais voilà, c'est pour vous montrer à quel point je suis transparent avec vous. Bref, on va directement aller à la salle. De toute façon, je vous montre toutes mes barres. On va voir comment ça va se passer. Et un petit peu pour te résumer, en gros, tu peux te faire plaisir, mais par contre, derrière, il faut faire le taf. Tu peux aller en soirée avec tes potes, tu peux boire un peu d'alcool, nanana, mais par contre, le demain, il faut aller faire le taf. Surtout si tu avais prévu une séance, tu l'as fait. Parce que si tu repousses, tu repousses une fois, tu repousses deux fois, tu repousses trois fois. Et après, c'est mort. Donc les gars, on est disciplinés. On n'est pas des robots, mais on fait le taf. Let's go. On part directement pour le squat. Let's go. Les gars, on se retrouve directement après la séance. Je vous ai pas trop parlé dans la salle parce qu'en fait il y avait pas mal de monde, donc voilà, je préférais pas. Donc je vous reprends maintenant et vous avez vu les reps, donc je suis monté à 140 et je vous avoue que sur la remontée de la deuxième rep à 140, j'ai eu une petite remontée de vomi là. Bref, hyper chiant, mais bon, on a fait le taf. C'est vraiment compliqué de s'entraîner fatigué. Ça faisait un moment que je m'étais pas entraîné après avoir bu de l'alcool. Et franchement, je comprends les gens qui sont genre en mode qui boivent très souvent et qui ont la flemme de s'entraîner. En fait, ça te fout une flemme, tu sais pas pourquoi. Et je suis bien content de boire très très rarement. Voilà, comme ça je garde ma motivation. Mais bref, on a fait le taf. Putain, ma voix, c'est un truc de ouf, j'ai l'impression d'aller casser. Donc voilà, sinon par rapport au squat, les charges commencent à bien remonter. Deux fois 140, c'est cool. On remonte petit à petit, je suis grave content. Et on va continuer à exploser ça. Malgré que je pars en vacances, donc dans très peu de temps, en vacances du coup je pense que je vais pas pouvoir squat, mais de toute façon à la rentrée on reprend très très fort tout ça et on va exploser ça. J'ai grave hâte et je vais vous sortir des sacrés dingueries. Ouais mon frérot, il veut quoi lui?
Puis voilà, avec tout ça, je vais rentrer, je vais prendre mon petit post-workout. Toujours la petite whey, goût caramel, code bison si tu veux la tienne. Et puis voilà, on se retrouve pour la suite de la vidéo, les gars. Let's go. A few moments later. Bon, les gars, on se retrouve, on est dimanche. Et comme tu peux l'entendre directement, j'ai perdu ma voix. Alors, je sais pas du tout c'est à cause de quoi. Je pense qu'en fait, je dors la fenêtre ouverte. Et un soir, il faisait pas trop chaud. Et en fait, je suis sûr que j'ai attrapé froid à cause d'un courant d'air. Mais les gars, c'est horrible, je ne peux plus crier et tout. Enfin bref, j'espère que ça va pas trop vous déranger. Et quand j'ai pris la caméra et que j'ai commencé à parler, je me suis dit putain mais comment je vais faire. Bref, du coup c'est super chiant. Mais on est dimanche, comme vous le savez, dimanche c'est cheat meal. En début d'après-midi, enfin vers 16-17h, j'ai été faire un run. Donc j'ai couru 6 km et franchement j'étais trop bien. Je me suis mis en allure fondamentale et franchement c'était incroyable. J'ai fini le run, j'étais pas du tout essoufflé, donc là-dessus je suis grave content. Et donc voilà, petit run du dimanche comme d'habitude. Bref, et du coup c'est cheat meal, là on se retrouve chez moi directement. Tout à l'heure je marchais parce que je faisais mon hit. Mais regarde ce que j'ai acheté, donc ce soir je vais manger tacos comme d'habitude. Je vais chez Emric, donc on va encore faire les cochons. Mais regarde ce que j'ai acheté pour le dessert de ce soir. Et je pense que je vais en manger un ou deux maintenant parce que j'ai trop envie de goûter. Et puis regarde ça. Donc, c'est des petits muffins à la pâte tartinée. Donc je pense que ça a l'air pas mal. Ça coûte quand même 4,45€. Tout ça, voilà. C'est hyper cher. Bref, on va faire le test tout de suite ensemble. Bon les gars, regardez à quoi ça ressemble. Ça a l'air d'être bien, bien gaise, quand même bien nul. Bon, on va goûter ça direct. Bon, regarde, c'est tout petit. On va voir, premier croc. Non. C'est grave bon. En fait, à l'intérieur, c'est fourré au Nutella. Et c'est trop bon. Vraiment, les gars, c'est une dinguerie, ça. Incroyable. Bref, on se retrouve directement chez Emric quand j'ai reçu ma grosse commande avec mon gros tacos. Les gars, je crois qu'on a un peu abusé. Il y a un sac comme ça, un autre comme ça. Les étudiants vont potentiellement voir Michou nu. Ils vous ont le pardon. Bon l'équipe, on se retrouve le lendemain du gros cheat. Je commence petit à petit à récupérer ma voix. J'espère que vous m'entendez mieux qu'hier, je suis désolé. Et par contre, je commence à être un petit peu malade. Je pense que j'ai pris un sale coup de froid parce qu'en fait, dans mon appart, je dors les deux fenêtres ouvertes. Du coup, ça fait un grand courant d'air. Et il y a un soir, il faisait froid et j'ai laissé le courant d'air. Et je pense que je suis tombé malade. Bref, ça, c'est un peu ma vie. Du coup, on est lundi, donc le lendemain du cheat. Pour l'instant, donc pareil, j'ai fait mon petit jeûne intermittent. Donc, je n'ai pas mangé ce matin. Mon premier repas, c'était ce midi. Donc, je me suis fait de la dinde avec des petites tomates cerises et deux hypro. Ensuite, j'ai été m'entraîner. Donc, avant mon entraînement, j'ai mangé une pomme et une banane. Et là, ce soir, je vais manger assez soft. Je pense que je vais me mettre à 2000-2200 calories. Parce qu'en fait, j'ai pas du tout faim, du coup, à cause du cheat. Là, actuellement, je suis en train de préparer le petit repas de demain midi. Du coup, toujours, je prépare mes repas à l'avance. Après, niveau repas, c'est très simple, comme d'habitude, tu le sais. Ici, je suis en train de faire cuire 80 g de riz pesé cru. Et ici, un sachet de brocoli, comme d'hab. Et avec ça, je vais me faire le petit fameux steak. 5% les gars, toujours le même. Voilà. En ce moment, en termes de compléments, c'est vrai que je vous les montre pas souvent. Alors moi, je prends, comme d'habitude, donc ça je vous l'ai toujours dit, du collagène, donc le My Protein, celui-ci. C'est un nouveau packaging, je crois. Donc voilà, une gélule par jour. Ensuite, bien sûr, le petit multivitamine. Donc pareil, My Protein, une gélule par jour. Ensuite, les gars, le ZMA. Donc pareil, je prends une capsule tous les soirs. Une juste avant d'aller me coucher, environ 15 minutes avant d'aller me coucher. C'est vrai que là, je commence à ressentir des effets. Je fais des rêves de zinzin, je le sens. Je dors assez bien. Donc franchement, les gars, pour l'instant, que du positif sur le ZMA. Je ne vais pas en dire plus. Je vais attendre un peu plus de temps avant de te le recommander. Après, si tu as déjà envie de le tester, tu peux. Il est sur My Protein, il est dispo. Après, je prends bien sûr la petite créatine, créa pure, toujours la certification. Et aussi les gars, les petits oméga 3. Ceci. Et bien sûr, on les met toujours au frigo les gars, parce que sinon ça oxyde. Vos oméga 3, vous les mettez au frigo. Je vous avoue que la vidéo, elle a ni queue ni tête, vu que je travaille. Et en fait, je vous montre ma routine. Je vais pas vous montrer des trucs que je ne fais pas. Donc, j'espère que ça te plaît quand même. Après, bien sûr, en septembre, je vais vraiment essayer d'aller chercher des concepts, des choses qui sortent un petit peu du commun. Même si ça restera des vlogs pour vous montrer ma progression, mes nouveaux objectifs. J'ai un objectif en tête, les gars. C'est pas le squat, c'est autre chose.
et je commence de plus en plus à me chauffer, à y penser fort, mais je vais pas vous en parler tout de suite, je vous garde la surprise. Et en tout cas, je voulais vous dire un grand merci pour tous vos commentaires sur la dernière vidéo, parce qu'en fait, dans la dernière vidéo, je disais que j'avais très peu de commentaires, et du coup, j'avais du mal à me situer, est-ce que les gens aimaient mes vidéos, est-ce qu'il y avait du monde derrière moi, en fait. Et franchement, vous m'avez trop bien montré que oui, vous étiez là derrière moi, ça me fait trop plaisir, vous avez été incroyable. Et les gars, si vous avez du temps pour lâcher vos petits commentaires, à chaque fois un petit commentaire comme ça, moi ça me donne énormément de force et c'est ça qui va permettre à la chaîne de grandir et que le bison devienne grand et que voilà, on puisse faire de grandes choses. Sinon les gars, j'ai fait ma commande My Protein du mois, j'ai commandé deux nouvelles Clearway, je vous les montrerai quand j'aurai reçu le colis, ça a l'air d'être insane parce que j'espère qu'elle sera meilleure que celle que j'ai en ce moment. Et j'ai pris le nouveau Alpha Pré goût pomme, je l'avais jamais vu. Et bah, je le reçois aussi, donc on verra bien, je vous ferai un taste test de tout ça, et puis je vous dirai clairement si j'aime, si j'aime pas. Bon les gars, on se retrouve pour le repas du soir, et je commence à être de plus en plus malade. Genre, il fait hyper chaud, je suis dans mon appart, mais j'ai froid, genre j'ai des frissons et tout, et j'ai pas envie de mettre de pull, parce que sinon je vais transpirer. Et si tu penses que vous voyez ce que je veux dire quand vous commencez à avoir de la fièvre, vous avez des courbatures partout, vous avez juste envie de vous coucher. Bref, je m'étais fait une assiette de brocoli pour ce soir, et bah j'ai même pas voulu la manger. Là, je me suis juste préparé un bol, donc je vais te montrer ce qu'il y a dedans. Et en tout, je serai à 1200 calories. Et en fait, j'ai vraiment pas faim. Juste, j'ai été chercher mes protes. Et après, le reste, mes glucides et mes lipides, ils vont être assez bas. Mais bon, avec le cheat que j'ai fait hier, c'est pas très grave. Bref, je te montre mon bol. En plus, ça se voit, je parle du nez. Oh putain. Carrément, j'ai hésité à prendre la caméra. Je me suis dit, oh, t'as trop la flemme. Et j'ai fait non, quand même. Donc là-dedans, tu as 200 g de fromage blanc, 20 g de flocons d'avoine, 20 g de beurre de cacahuète My Protein, 15 g de whey goût caramel My Protein et du miel. Après, je vais me faire mes 5 grammes de créatine comme d'hab et je me suis fait mon petit thé vert. Bon, voilà les gars, avec tout ça, il est 20h50. Moi, je mange ça et je vais directement me coucher. J'ai vraiment besoin d'une bonne nuit. Là, comme je t'ai dit, on est lundi soir. Il me reste mardi et mercredi à travailler et après, je suis en vacances. Donc, ça, c'est vraiment cool. Mais voilà, demain matin, je me lève à 6h40. Je pense que ça va le faire. J'ai juste besoin d'une bonne nuit. Et de toute façon, on se retrouve demain pour la fin de cette vidéo. Bon, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Par rapport à ma maladie, j'ai été très malade toute la nuit. Ce matin, quand je me suis réveillé, j'étais KO, mais j'ai quand même été au boulot et au fur et à mesure de la journée, ça a été beaucoup mieux. J'ai pu aller à la salle ce soir, j'ai fait une grosse séance dos, arrière d'épaule, biceps. Je sens que je suis encore assez fatigué, mais je sens que petit à petit, ça va aller beaucoup mieux. Sinon, si t'es encore là sur la vidéo, à ce moment-là, lâche ton meilleur bison discipliné dans les commentaires. Moi, ça me fait trop plaisir et ça me prouve que t'étais encore là. Comme je t'ai dit, c'était un peu une vidéo à la one again, mais bon, c'est ce qu'on aime, c'est les vlogs comme ça que j'aime faire et que je sais que vous aimez. Donc voilà, les gars, c'était votre bison. À la prochaine.